Que ce soit moi ou je pense n'importe quelle autre personne qui pourra visionner ces choses-là, et encore je pense que on voit pas tout dans ce reportage-là. On voit pas tout ce qui se passe vraiment là-bas. Tu peux que voir quand tu t'y trouves vraiment. Mais c'est difficile, c'est dur. C'est dur à voir déjà. Alors à vivre, j'imagine même pas comment sont éprouvées les personnes qui ont affaire à ça. Bah les aider, apporter ton soutien, les aider, que ce soit par rapport aux soins médicaux, par rapport à la nourriture, parce que j'imagine que ça doit être difficile pour eux de se nourrir. T'es un homme et tu te dis, ces personnes-là, si je peux les aider par n'importe quel biais, leur donner, par exemple, je sais pas moi, parce que c'est vraiment des situations délicates et des moments durs à vivre, et ils sont livrés à eux-mêmes. Donc même en tant qu'homme, pas en tant qu'humanitaire, t'as envie ça, de voir ça là comme ça, ça te donne envie de faire quelque chose et de les aider, de pas rester comme ça. Ça touche, et t'imagines. Et c'est là que tu vois, que tu relativises, tu vois que des choses qui pourraient nous arriver à nous, par exemple, et l'être humain, il est comme ça, des fois on se plaint de certaines choses, mais quand tu vois des choses comme ça, tu peux que relativiser. Et, de toute façon, dans tous les cas, tu dis Alhamdulillah, dans tous les cas, tout ce qui peut t'arriver, tu dis Alhamdulillah, mais quand tu vois ça, comment ces personnes-là sont éprouvées, tu te dis, ça touche trop. À chaque instant de notre vie, en voiture, côté passager, fixant le rétroviseur, les images nous reviennent et nous pensons à eux. Ben, ce qui se passe, c'est très grave. Situation catastrophique, apocalyptique, tu n'as rien à dire. C'est très grave. Des actes aussi barbares, aussi immondes, aussi ignobles, des choses que franchement, il n'y a pas de mots à dire. Ça se traduit pas. Tu peux dire tout ce que tu veux, mais c'est très 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 grave. Et ça va très 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 loin. Et le pire, c'est que ça continue. Ben ça touche automatiquement, peu importe la personne, peu importe musulman ou pas musulman, musulman ou non musulman, croyant ou pas croyant, c'est quand même des humains, ce sont quand même des personnes, des hommes, des gens qui sont comme nous et d'autres, et c'est catastrophique, ça touche vraiment, parce que tu vois quoi, c'est les civils, les habitants se font tuer, se font exterminer, éradiquer. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. En Syrie, on voit bien la ville d'Alep, il ne reste plus rien. Comment on peut faire ça? Je ne comprends pas. C'est très grave parce que ça va faire 5 ans, plus de 5 ans bientôt que je vois que c'est comme ça. Il n'y a rien qui a changé, il y a de plus en plus de pays qui se mettent là-dedans pour bombarder, envoyer leurs bombes, etc. Comme si qu'en fait en dessous c'était la mer, alors qu'en fait c'est des vies qui sont en dessous, tu vois. À chaque fois tu vois que ça tombe sur des civils, sur des enfants, des femmes, des vieillards, c'est choquant. Bistur clair, suri elilele, unut miyalem, yardem edelem. C'est ainsi que nous constatons, hommes de tout horizon, ayant le même ressenti, un traumatisme à jamais, qui a pour seul remède, invocation, aide, soutien.
Et si l'abandon prend place, il nous emportera, comme le vent emporte les feuilles.